disons, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui, en resplendissant pour nous, l'espérance de la résurrection vient de Dieu. Et si la loi de la mort nous applique, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque nos grands-parents se trouvent sur la terre, ils ont déjà eu le devoir éternel dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin nous proclamons. La lumière brûle plus vite.
sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son Seigneur maintenant, nous présentons cette offrande du nom des saints pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître cette vie de ton Fils qui nous a rétabli dans ton influence. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous que l'Éternel fonde à ta gloire, pour que nous obtenions toujours les biens du monde à venir, aux frères de la vie de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son épouse, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tant au monde entier, le salut et la paix, à faire bien. Écoute les prières de la famille assemblée devant toi et ramène à toi perpétuellement tes enfants dispersés. Pour nos frères et frères, pour les hommes qui ont quitté ce monde seulement en ce jour, pour notre frère, notre confrère, notre fils, notre ami, à notre populaire, notre connaître la vie du vino, notre fondatorio, espérons bien de combler la gloire, tous ensemble de l'éternité, parce que le Seigneur nous montre de grâce et de bien. Thank you.
Délivre-nous du mal, Seigneur, et de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la vie de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la belle mort de Jésus-Christ, notre Sauveur.
c'est l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux est invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si tu m'en as parlé, c'est que je suis.
Les mains purifiées par cette Eucharistie et dégagées de ses fautes, ils connaissent les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je m'appelle Laetitia Ouvangué, je suis la sœur d'Arnaud Oulayoula, la sœur qui aime mieux la cuisine parce que ma mère et le père d'Arnaud sont frères, de même père et de même mère. Arnold est donc mon frère de sang, mais il n'est pas que mon frère de sang parce que nous avons également été liés par, je peux dire, le sang du Christ dans la paroisse famille de Sainte-Barbe où je suis arrivée dimanche après-midi pour l'adoration du Saint-Sacrement parce que je voulais que le Seigneur m'explique pourquoi ma fille était malade. Et donc, plutôt que me donner une réponse, le Seigneur a envoyé vers moi Maman Yoyo qui est là présente, Yolande Sabou, qui m'a donné de participer à l'adoration. Ensuite, d'animer les messes du matin et après de devenir lecteur. Et lorsque je suis rentrée comme ça dans l'église, ma mère, après moi, m'a souri. Gisèle, la dernière qui est assise là, l'épouse Irénia, la sœur donc de Tony Oula, le père de Oula. Et donc, maman un jour a appelé Arnaud et lui a demandé s'il voulait bien participer aux enseignements qui se déroulaient à Sainte-Barbe. Et quand il est arrivé, il n'a plus quitté la paroisse parce que lui aussi, avec l'aide de maman Yoyo, que je lis encore ici, est également entré dans le groupe des lecteurs. Et ensuite, nous tous ici savons ce qu'est devenu Arnaud. Il a fait la profession perpétuelle et ensuite il est devenu diacre. Et nous nous préparons donc pour l'ordination sacerdotale. Mais Dieu en a décidé autrement. Et même si c'est difficile, nous le bénissons parce que nous savons qu'il ne fait rien pour rien et que Arnaud a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera pas enlevée. Et donc nous lui demandons comme ça d'intercéder pour sa famille naturelle et aussi pour la grande famille salésienne. Je vous remercie. Notre fils, notre frère, notre ami, notre diacre, nous voici ici pour te rendre un dernier hommage, alors que nous devions plutôt être réunis pour ton ordination. Mais la volonté de Dieu n'est pas celle des hommes. Nous sommes là aujourd'hui, réunis en ce lieu pour seulement te dire au revoir.
car tu seras toujours dans nos cœurs. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et ton départ nous rappelle qu'ici-bas, notre vie est un peu de chance. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié, la patience, la joie et la bonne humeur, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques, surtout avec les jeunes que tu aimais tant servir à l'image de Don Bosco. Tu étais pour eux un ami fidèle et généreux. Ton départ laisse un vide immense dans nos cœurs et nous profitons d'adresser nos sincères condoléances à ta famille et à toutes les personnes qui ont été marquées par ton empreinte. Ta communauté, celle de la paroisse Sainte-Barbe de Port-Gentil, où tu as commencé à expérimenter et à vivre le charisme salésien, ainsi que toute la famille salésienne de Don Bosco. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie donnée. Nous te remercions pour tout et garderons toujours un souvenir dans nos cœurs que tu as été un homme merveilleux. Repose en paix, cher fils. Je ne m'étais jamais préparée à écrire ces mots, mais se prépare tendrement à ce genre d'événement. Tu nous quittes trop vite, trop tôt, trop jeune, nous arrachant brutalement à ta lumière, à ta joie de vivre, à ton amour. Tu as été pour beaucoup d'entre nous un grand frère exceptionnel, un oncle, un confident, un fils incroyable, un père aimant, et plus important encore, un véritable ange gardien. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta lumière, pour ton amour. Merci pour ton passage dans nos vies. Et en ce jour de dernier hommage, je fais le choix de ne pas être triste, mais de me réjouir. De me réjouir de t'avoir connu, d'avoir bénéficié de ta lumière, de ton amour. Et de là où tu es, puisses-tu veiller sur nous, ta famille de sang, de cœur et de foi. Ton filleul, Léonce. La terre promise, tout comme lui, a un bas de la présence. Frère Armand, le frérot, le frère, le gros, le zozo, le big wali, le walito, salésien aux multiples facettes, comme les différentes appellations qui t'ont été données. Merci des assistances spirituelles, financières et éducatives que tu as fait à travers tes multiples missions. Merci pour toutes tes initiatives et réalisations, de Port-Gentil comme à Libreville, des Boloba, à Yaoundé, sans oublier Bafia pour les MSJ et Bata, ta dernière terre d'accueil. Dans tes périples à Bangui pour les vacances comme au Tchad, à Lomé et partout ailleurs, tu as persévéré. Tu as persévéré dans ton but de donner ta vie au service des jeunes, les plus pauvres, selon le modèle de vie de ta famille, les Salésiens de Don Bosco. Homme, tu étais bon chrétien, honnête citoyen aussi. Merci, Père Armand. À mon père, Papa Bou, Papounet d'amour, Papouchka, Samouchka te pleure et Abiche te pleure. Papa, merci. Papa, pardon. Tu sais tout de moi et m'as tout appris. Cet amour paternel que je n'ai connu que de toi et celui que tu as comblé depuis l'âge de mes 7 ans.
Ton porte-clé que j'étais, donne-nous partout, partout, à travers le monde, ne t'oublie pas. Je te souris depuis là-haut. Salue ton frère Sylvain et dis-lui que ça va aller comme lui et même Dieu. Prie pour nous, papa. Au revoir. Je t'aime, papa. Mensaje de Juan Lorenzo. Queridos toros, la parroquia Maros Senadora de Paca, Guinea Ecuatorial, fue embargada de una profunda consternación de dolor al recibir la desgraciada noticia del fallecimiento de nuestro querido salesiano diácono Arnón. En este sentido, todos los grupos, asociaciones, coros y el Consejo Pastoral Parroquial expresamos nuestros profundos y sentidos pésames a la familia natural de Arnón y a la salesiana. Querido Arnón, bien sabes que te hemos querido y seguiremos queriéndote, porque sabemos que tú sigues entre nosotros. Porque la vida con la muerte no termina, sino que se transforma. Arnón, todos los fieles de la parroquia Maros Senadora de Paca, hemos aprendido muchísimo de ti. Tu sencillez nos ha impresionado. Tu descripción nos enamora. Tu trabajo bien hecho. Tu disponibilidad, tu cercanía fueron nuestros puntos de referencia. Arnón, fuiste un crack para los más pequeños de nuestra parroquia, especialmente para los monaguillos. Todos te lloran amargamente y siempre te echarán de menos. Reza por cada uno de ellos allí en el cielo, desde el lugar en el que te han puesto los ángeles de Dios. Arnón, que el Señor que te ha llamado te reciba a tu llegar, te coloque en el regazo de Abraham y su linaje. Descanse en paz. Amén. Thank you.
Saint Paul, de son officiat, que je prends dans la parole. C'est avec une double émotion que j'émets ce propos en guise de hommage à notre frère et ami Arnold. Tout d'abord, la difficulté à prendre parole à pareille circonstance et l'impériosité du devoir d'un ultime hommage. Notre rencontre avec Arnold, nous repartons de ce premier contact avec Arnold avant de jalonner tout le temps passé ensemble, ce qui justifierait notre prise de parole en ce moment. En juin 2017, admis comme pré-novice dans la société de Saint-François de Sales, il est affecté en Jamena avec trois autres promotionnaires et les autres encore à Oyem et à Yaoundé. Au cours du mois de février, et mars 2018, nous avons eu une session de formation et une retraite spirituelle à Kribi pour une douzaine de jours. Ce fut le premier séjour qui permit que l'on se côtoie, se connaisse, s'affectionne dans le grand groupe de pré-novices que nous étions. En 2018, nous évoluâmes pour Lomé au Togo, où nous fîmes l'entrée au noviciat le soir du 30 août à l'entame de la prière vespérale. Après la première profession le 30 août 2009, nous regagnâmes le post-noviciat pour 3 années. Après les 3 années de retrait et de stage pratique, nous nous retrouvâmes côté Rougar Saint-Augustin de Koulafemé à Yaoundé. Au moment de poursuivre les études de théologie en Guinée-Équatoriale et pour nous autres de rejoindre les différents lieux de mission, nous restons permanemment en contact à travers les réseaux sociaux et c'est quotidiennement que nous échangeons nos différentes expériences dans le forum Poissa de la promotion Saint-Paul du noviciat. Après cette tentative de rétrospective historique qui nous permet de revivre des souvenirs avec Arnold, nous nous ouvrons à ce que son vécu nous apprend, à nous qui continuons encore ce pèlerinage terrestre. Qu'il s'en va, il ferme les yeux à cette terre de l'éphémère pour les ouvrir à l'éternité. Dessécher les larmes, les remords du passé, les regrets de ce qu'on n'a pas pu faire pour lui, de l'aimer, de s'ouvrir à l'espérance et à l'avenir, d'être persévérant, de ne pas lâcher à la première crise, à la première difficulté, au premier refus qu'on nous oppose, d'être généreux, charitable, que les autres aient du sourire. Arnold n'était pas seulement pour moi un compagnon, c'était aussi un frère et un ami. Lors des manifestations dans nos différentes communautés, lors des fêtes, nous chantions toujours, en Dieu pour célébrer les moments de fraternité ensemble avec toute la communauté. Cette Eucharistie
que nous avons célébrée est la dernière que Arnold célèbre avec nous. Je voudrais aussi chanter une dernière fois ensemble avec Arnold. Arnold chantera par ma voix et je voudrais